ci tu la vicenza te pure la eternità da barca lui ci ti amici di tu le eternità da barca che infatti tu mi vedi mi fa vedere pure ora ti sei che sti che mi fa vedere forza giunte ma so che la ste le questo forza non ho ancora tutto qua ti sei che sti tu le eternità da barca tu le vuoi, e ti dici che se ti volete da fare, se le detesto. Bonjour, je suis chirurgien, suis dans la galerie ML de Bruxelles, qu'on voyait chez mes œuvres récentes. Je vais commencer par les dessins. Donc ici sont exposés 6 dessins. Je fais 17 dessins à Lyon. Comme je prépare un nouveau livre des aphorismes, j'ai voulu faire des dessins qui sont plutôt figuratifs, qui ont plutôt une structure de forme et qui expliquent aussi la narration que j'ai voulu exprimer. Plus tard, comme vous voyez, j'ai ici par exemple un de mes derniers livres, je vais commencer. Vous montrer. Donc c'est le tableau qui s'appelle Big Bang Theory qui était inspiré, c'est-à-dire j'étais inspiré par le tableau, mais moi j'étais inspiré par le grand savant anglais qui a fait la théorie de Big Bang, c'est-à-dire comment la naissance et la genèse de l'univers. Il y a aussi un livre qui s'appelle Prince, qui est en face de moi. Je l'ai fait il y a un an après, parce qu'il y a 3-4 ans, je travaille dans une très connue galerie à Los Angeles, la Bush Gallery. Et j'ai eu la chance de le connaître dans la vie, Prince. Donc nous savons tous que c'était un grand musicien qui est splendide, qui a inventé quelque chose de très fantastique dans la musique, qui a beaucoup d'admirateurs, et moi je l'ai vu dans ma manière un petit peu comme un ange ou comme une personne qui s'envole, qui à mon avis était suivant ça. Il s'agit d'une dizaine de tribus qui sont des descendants directs de Homo sapiens. Donc ça c'est Hammer people, ça c'est Caro people, vous avez aussi Turbi people, vous avez Ari people, Murci, Surmi, etc. Tous ces people sont magiques parce qu'ils ont conservé sa culture, ils ont conservé sa manière de vivre, ses habits, ses outils et surtout sa croyance comment le cosmos a été fait, etc. Donc, si on peut remarquer sur les photos, on peut voir que ce peuple il est très attaché par la beauté physique, justement par ses colliers, justement par la manière de comment ils se font habiller, comment ils se font peindre, etc. Et ce qui est le plus important, c'est le dernier descendant de Homo sapiens.